Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans hein, de VFX pour nouveau tutoriel sur Blender. Aujourd'hui on continue la conception de notre marteau de Thor et aujourd'hui on passe à l'étape de texturing, d'accord, donc comment créer les textures pour notre mèche en sachant qu'on va utiliser donc beaucoup de textures procédurales que j'ai déjà faites, d'accord, donc je vous invite à regarder donc, les vidéos concernant les textures procédurales du coup, soit pour les télécharger ou soit pour les créer vous-même, d'accord Donc on se retrouve tout de suite sur Blender pour le texturing du marteau. Ah, donc nous aussi sur Blender, donc du coup, on va commencer donc, le texturing du marteau. Donc là, voilà, donc, on avait fait les détails, hein, etc. Comme je vous ai dit, donc, on fera une autre version du tutoriel uniquement pour Unreal, d'accord Donc pour euh, exporter cet objet sur Unreal, mais du coup, l'améliorer, d'accord Donc du coup, le, le traiter différemment pour ne pas exporter autant de géométrie, d'accord Parce qu'on a, a quand même 537 000 triangles, ce qui est énorme pour une, une géométrie de jeu vidéo, d'accord Donc du coup, là, on va commencer le texturing. Donc du coup, je... Moi, j'avais pour idée en fait donc de, de regarder donc déjà la base en fait. On a ici donc là le détail en fait hein, donc avec les runes. On a ici donc les motifs donc les scrolls d'accord donc de chaque côté. On a ici donc les, les rainures d'accord donc cette rainure là aussi et on a donc le petit motif qui est ici sur le, le pommeau d'accord donc je sais pas comment appeler ça mais du coup voilà donc on va dire le pommeau. Okay. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, donc, toutes ces zones de détails, on va leur donner une texture d'émission, parce qu'en fait, j'ai envie de faire un rendu avec donc le marteau qui sera posé dans la terre, d'accord, donc qui sera donc euh, limite encastré, et du coup qui émet de la lumière par ces symboles, d'accord, donc de la lumière et un éclair qui vient toucher la cime du marteau, d'accord, donc cette partie-là. Okay donc là, ce qu'on va faire, donc du coup, on va texturer donc ce marteau en fonction de cette scène que j'ai euh, pour idée de créer. Donc là, en fait, on va commencer par cette pièce. Donc la plaque circulaire du marteau. On va appuyer sur Tab et là on peut s'apercevoir que du coup donc, la géométrie vous voyez, est assez particulière parce que du coup on a créé du bevel. Donc ce qu'on peut faire c'est appuyer sur Ctrl I. Pour inverser la sélection, d'accord Donc, vous sélectionnez la pièce. Vous appuyez sur CTRL-I. Et du coup, ça va avoir pour but de, de sélectionner uniquement les runes que vous avez créées avec votre bevel, d'accord Donc, rappelez-vous, hein, on a créé le texte qu'on a encastré. Et ensuite, on a créé donc, un boléen, excusez-moi, pas un bevel, un boléen sur l'objet, d'accord Donc là, on va créer donc, notre matériel. Donc celui-ci, on va l'appeler « rune, rune euh, émission ». Comme ceci. Et du coup donc on va choisir un joli coloris pour le rendu. Donc là je pense que je vais passer en vue uniquement euh, avec une HDRI un peu plus sombre en fait, parce que là c'est beaucoup trop clair, il y a beaucoup trop de couleurs. Alors je vais ici donc, dans Easy HDRi. Et du coup on va apporter une autre carte. Voilà. Donc là je pense que je vais partir sur un éclairage un peu plutôt diffus en fait. Hein. Donc après on, on habillera la scène différemment une fois qu'on aura fini. Mais là pour la voir, on va l'habiller avec un HDRI d'intérieur. Voilà, donc celui-ci. Celui-ci qui est vraiment pas mal. Vous voyez, ça me donne un éclairage vraiment diffus au niveau de ma scène. Donc c'est plutôt pas mal. Ok Donc là, on va créer notre matériel pour les runes. donc Pour ce faire, on va ici donc dans texturing. Ici, je vais zoomer donc sur la partie que je souhaite texturer en Shift Z. D'accord Donc en mode rendu. Et là, pareil, hein, on va essayer de zoomer à peu près comme ça. Pour avoir une autre vue d'ensemble. Voilà, comme ça. Ok Et donc, du coup, ce matériel-là. Donc du coup, on va supprimer donc, le Best Dev Guidé. Je vais appliquer ici donc, un shader d'émission. Émission, émission. Hop, voilà, qu'on va relier donc directement à la surface. Ce qui va avoir pour but donc de mettre de la lumière. Là, on va assigner ce matériel donc aux runes. Ensuite, on va faire Ctrl I pour inverser la sélection encore une fois, d'accord, pour sélectionner donc la plaque. Et là, on va créer un nouveau matériel qu'on va appeler euh, métal plaque circulaire. Voilà. Donc toujours renommer vos, vos matériaux correctement, c'est très important parce qu'après on, on aura du mal à, à s'y retrouver. Et là, on va assigner ce nouveau matériel à cette, euh, à cette plaque. Ok On peut appuyer sur Tab pour quitter donc le mode édition. Et là, j'ai bien donc, mes runes donc, qui sont avec le shader d'émission et ma plaque qui est avec le shader qu'on n'a pas encore texturé. D'accord Donc là, c'est parfait. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va Adapter un petit peu cette émission pour lui donner donc un peu plus de relief. Donc là, ce que je vais faire, je vais passer sur une couleur bleue pour symboliser un petit peu donc le, les éclairs, d'accord Donc une, une couleur assez vive, pas autant peut-être, une couleur un peu comme ça dans les tons bleus. Ouais, là, ça me paraît pas mal. Et on va augmenter la puissance, on va la mettre à 75. Voilà. Comme ça, ça donne un bon rayonnement. Vous voyez, du coup, ça, ça fait vraiment joli sur ma plaque, quoi. D'accord Ensuite donc, cette rune là, euh, moi j'ai envie en fait, de pouvoir l'allumer et l'éteindre comme je souhaite, d'accord, donc du coup de modifier le, le matériel comme je souhaite, d'accord, par rapport à une animation. Donc pour ce faire on va créer donc, ici un shader de mélange. Hop, shader de mélange qui est ici. Voilà. Et du coup, donc, le premier sera donc, à 100% mon émission. Et quand il est à 100% donc à l'inverse, il sera mon matériel normal. Donc comme ça ça me permettra de l'animer correctement. Donc là on va mettre à 0 et là je vais créer donc un shader donc, de diffus, on va me faire un dev guidé, hop, comme ceci. Et là je vais donner un peu plus de relief à mes marques. Donc là on va regarder un petit peu ce qu'on fait. Hop, je vais zoomer un petit peu, voilà, comme ceci. Et donc là je pense qu'on va partir sur une couleur noire, comme ceci. Et du coup on peut donner donc, un peu de métallique à l'intérieur pour lui donner un peu de relief. La spécularité on va la booster à 1. On va donner zéro de rugosité, d'accord Pour vraiment avoir des reliefs, en fait, à l'intérieur. Donc là, on ne voit pas trop, mais quand on jouera avec notre éclairage, ça sera vraiment beaucoup plus parlant, quoi. Du coup, on aura une brillance vraiment prononcée sur les, sur les runes, d'accord Voilà, donc là, c'est parfait. Hop, voilà, donc mon deuxième shader est créé. Donc là, je pourrais le simplifier avec juste un diffus, puis une brillance, mais bon, voilà, on va partir sur un baiser guidé, c'est très très bien. Ok Voilà, donc du coup je pourrais animer donc, mon slider pour lui donner donc soit 100% d'émission ou 100% de matériel de base, d'accord Donc ça me permettrait de créer une animation avec le matériel. Maintenant qu'on a créé ça, on va créer donc le matériel pour ma plaque. Donc là je vais désactiver mon émission pour l'instant. Et on va se focaliser uniquement sur la plaque, d'accord Donc là pour la plaque, je pense qu'on va partir sur euh, donc, euh, bah, une pièce en métal, hein, ça c'est sûr. Donc du coup on va donner donc, une densité plutôt grise, comme ceci. Hop On va partir avec 100% de métallique. Et du coup, on va jouer un peu avec la spéculaire. Donc, la spéculaire, je vais mettre un Fresnel dedans. Fresnel. Ce Fresnel, on va le raccorder donc, à la spéculaire. Et en termes de densité, je vais lui donner donc la densité du titane, c'est 264,1 normalement. Ensuite, la rugosité, on va la passer donc à 0,15. Voilà. Et donc là, ça me paraît pas mal. Hein. Ça me paraît pas mal. Ouais. donc là en termes de métal on est vraiment joli. Maintenant on va donner un peu plus de relief parce que là ça fait vraiment très plat, euh, plaque euh, qui est impossible à faire clairement parce qu'il n'y a pas de comment de street d'usinage, il n'y a pas de, de polissage, il n'y a rien du tout sur cette plaque. Elle est vraiment très plate. Donc pour rajouter un petit peu de, de détails ce qu'on peut faire c'est ici, donc rajouter en shader, donc on va mettre un, une texture donc, de dégradé. Cette texture de dégradé, du coup, on va la mettre en sphérique, hop, oh, excusez-moi, sphérique. Voilà comme ceci. Et ensuite, on va appliquer une texture de vague. Alors texture de vague comme ceci. Et là, on va regarder donc contrôle, shift, clic gauche pour voir un petit peu ce qu'on fait. Et voilà ce qu'on est en train de créer, d'accord Donc du coup, on est en train de créer donc un dégradé sphérique qui va être influencé, enfin qui va influencer mon vecteur donc de texture de vague. Ce qui aura pour but donc de placer la texture de vague en mode circulaire, d'accord donc là on va augmenter les stries à 150 voilà, pour donner vraiment une grosse densité au niveau du métal. Le détail on peut, on peut le passer à 16. Euh, la distorsion on va la passer à 0.25 voilà, pour créer vraiment un peu de distorsion au niveau de, ce, de cette courbe. Donc là c'est pas mal. Et du coup donc là je vais juste réduire le détail pour l'instant pour voir un petit peu donc, le placement de la texture et après on l'augmentera. Donc là on va faire CTRL-T pour l'appliquer. On va laisser je pense en générer et on va décaler donc, la carte de texturing donc, à moins 0.5. Hop, voilà, donc ça c'est toutes des techniques qu'on a déjà vu sur les, euh, les textures procédurales, hein, d'accord Donc c'est pour ça que je ne m'attarde pas trop dessus. Voilà, et du coup, donc là j'ai par parfaitement placé ma texture. Donc là c'est nickel. Donc maintenant ce qu'on peut faire c'est lui donner donc, une densité un petit peu plus grande, donc en termes de stri Donc là on peut repasser à 150, comme ceci, ou même peut-être un peu moins, parce que là, ça fait vraiment beaucoup. On va passer à 75. Voilà, 75 ça me paraît pas mal, ok et maintenant, je vais influencer donc, non seulement la couleur de mon métal avec cette texture, d'accord Ce qui a pour but donc, de le polir un petit peu. Vous voyez du coup de lui de donner des défauts, des déformations en fait de stri, d'accord Et ensuite, on va également l'appliquer sur un bump, d'accord Pour créer du relief. Donc là, ce qu'on va faire donc convertisseur euh, vecteur pardon bump. On rajoute un bump donc ici à ma normale. La couleur on va influencer ma hauteur. Hop. Et du coup, voilà, donc ça va créer du relief. Donc là, c'est beaucoup trop par rapport à la densité de la plaque. Donc on va réduire à 0.55. Même moins, on va mettre à 0.25. Voilà, 0.25. Comme ça, on récupère une belle densité de brillance. Ok voilà, donc là ça me paraît plutôt correct. Sauf que là donc ma plaque j'ai envie de lui donner une densité un petit peu différente parce que là c'est vraiment trop linéaire, trop parfait. Donc pour cette texture on va rajouter donc ici en couleur mélange RGB, d'accord Donc on va mélanger deux textures. La deuxième texture ça va être quoi Ça va être une texture de Musgrave. Du coup qu'on va mettre ici, hop, sur la couleur 2. On laisse bien donc, en mélange. Et là par contre je vais rajouter une rampe de couleur pour enlever ces tons de noir. D'accord Donc moi je veux uniquement des tons euh, de gris un peu euh qui partent vers le blanc, d'accord Donc là, on rajoute une, un dégradé de couleur. Et là, je vais influencer sur mes noirs, d'accord Donc du coup, on va réduire un peu les noirs, comme ceci. Voilà, donc le but, c'est vraiment de créer donc, des déformations, vous voyez, un petit peu au niveau de la couleur, et du coup, des motifs aléatoires. Pour casser un peu ce côté trop vague et trop, trop parfait, quoi. Ok Donc là, en termes de taille, on peut l'augmenter, donc à, euh, on va l'augmenter à 40, voilà, comme ceci. On va augmenter donc, le détail à 16, et la dimension, par contre, on va la réduire à 0.1. Voilà, ce qui permet, donc, de créer du, du bruit, en fait, vraiment au niveau de mon métal. Ok Donc, là, c'est plutôt pas mal. En termes d'influence, du coup, on va mettre, donc, une valeur à 0.65, d'accord Pour avoir, donc, maistrie, mais aussi du Musgrave. Et là, je vais descendre, donc, les valeurs, ici, de blanc, vous voyez Enfin, de gris, pardon. Pour avoir, donc, quelque chose, vraiment, euh, par ci d'accord Donc, uniquement des petites zones avec du brouillard. Donc, là, c'est parfait. Et maintenant, on va donner, donc, un peu d'aléatoire à ça. Hop alors, pour ce faire, on va ici, donc, texture bruit, voilà, je raccorde mon facteur d'influence à mon vecteur, d'accord, donc ce qui va avoir plus, donc, de distordre mon Musgrave, voilà, comme ceci, et là, je vais lui donner, donc, une échelle à 1, le détail à 16, voilà, la distorsion, on va la mettre à 0.5, comme ça, on a vraiment un pattern défini. Voilà. Et maintenant, je peux repasser mon bruit ici, donc à 25, voilà, pour définir donc, le bruit un peu partout. D'accord Ça permet de créer un peu plus d'aléatoire dans le bruit. D'accord Donc on a créé du bruit pour créer de l'aléatoire au niveau de mes vagues. Mais par contre, si j'enlève mon bruit, en fait, on voit que donc, le Musgrave est très constant. Vous voyez, donc c'est vraiment des petites tâches très constantes. Moi, je ne veux pas ça. Donc du coup, je le raccorde avec un vecteur de bruit. Ce qui va avoir pour but donc, de détruire la position de mon Musgrave avec une texture de bruit et du coup de la diffuser un peu partout. D'accord voilà, et après vous pouvez jouer avec les densités ici, hein, si ça ne vous plaît pas. Voilà, vous augmentez un peu la, la prononciation des blancs, vous l'accentuez, la, etc. C'est vraiment à vous de voir, d'accord Moi je pense que je vais laisser une valeur de dégradé comme ça. Par contre, je vais juste réduire un peu l'échelle des blancs, on va les réduire un peu plus, voilà, comme ceci. Là c'est parfait, d'accord C'est juste pour donner un petit défaut au niveau de, mon, de ma plaque. Voilà, donc là c'est parfait. Ok Donc là j'ai texturé donc, ma première plaque, voilà, donc avec, rappelez-vous, la rune d'émission que je peux influencer en termes d'animation, d'accord Donc là, on peut laisser comme ça, activer, hein. c'est très joli, vous voyez, et voilà, ok Maintenant, on va texturer mon marteau, donc pour, pour le marteau, on va faire différemment, donc là, je vais, pare pareil, donc, copier la rune émission, d'accord, donc on va copier donc, ce matériel-là, et je vais copier également le métal que je viens de faire, d'accord, sauf qu'on va, va le modifier, donc là, je vais créer une duplication, métal plaque circulaire, du coup, on va le, le renommer, donc métal... Marteau, marteau, voilà comme ceci. Donc là c'est parfait. Et ensuite donc la rune d'émission. Donc là ce que je vais faire, je vais appuyer sur tab. On va tout sélectionner, d'accord. Donc avec select all toggle, on va assigner mon métal marteau. Voilà, donc là, c'est parfait. Et maintenant, je vais uniquement sélectionner, donc, les stries qui sont ici, d'accord Donc, les, les parties que je souhaite donner euh, de, de l'éclat, d'accord Donc, de, du matériel de rune. Donc, pour ce faire, on passe en sélection de faces Et on sélectionne, donc, les faces qui sont ici, d'accord Donc, les faces intérieures. Donc, ce que je vous conseille, la mine, c'est de sélectionner, donc, uniquement les jonctions, d'accord Donc, les faces arrière, comme ceci, hein, Comme je là, là, je suis en train de faire. Et maintenant, on peut, on peut appuyer sur CTRL+, pour sélectionner, donc, une face à l'avant, d'accord comme ça, ça permet de, bah, de sélectionner toute ma strie. On va signer mon matériel de rune. Voilà, c'est parfait. Et là, je vais l'assigner à l'intérieur, par contre, de mes cavités. D'accord, donc sur mes plaques. Hop, matériel de rune assigné. Voilà. Vous voyez, ça donne tout de suite un autre relief à notre métal, et c'est vraiment très très joli, quoi. Ok. Voilà. Par contre, donc maintenant, ce motif-là, il n'est pas du tout adapté. D'accord. Donc cette texture-là, on l'a créée uniquement pour la plaque. Là, si je regarde comment l'appliquer, c'est n'importe quoi. Hein, D'accord. Donc là, ça, ça, ça ressemble à rien. Donc du coup, on va modifier le métal marteau. Donc là, on va supprimer, donc, le, le, le dégradé, d'accord On va toujours laisser, donc, les bandes. Et du coup, donc là, si je relis donc, mon matériel sans le vecteur, vous voyez, donc, de, de dégradé, ça me donne une densité constante au niveau de mon marteau, d'accord Voilà, donc, en termes de métal, donc là, en termes de stris, c'est vraiment très joli. C'est vraiment parfait, quand On dirait un peu du titane, c'est vraiment très, très beau, quoi. D'accord Donc, en sachant que là, on texture pas vraiment le vrai marteau, hein, d'accord Donc, on texture à notre façon. Hein. Ensuite, on va appliquer, donc, ici, à mes plaques. Donc, là, on va supprimer ce matériel-là. Et on va aller chercher, donc, Rune émission, d'accord Pour toutes les plaques, comme ceci. Pareil que je pourrais animer, hein, parce que, rappelez-vous, ce matériel est animé, d'accord Donc, on peut euh, le, le mettre soit à 100% de noir ou soit à 100% d'émission, ok donc là c'est parfait. Maintenant on va créer donc un, un métal un peu plus euh, anneau sur ces parties-là, d'accord Donc les parties du manche. Donc pour ce faire, on va créer donc à nouveau. Là on va mettre métal anneau. Voilà. Et on va créer donc une deuxième instance de matériel qu'on va renommer bois. Donc ça sera le bois du manche, d'accord Donc maintenant on va texturer donc d'abord les métals en anneau. Donc on va faire ici donc contrôle plus. On va sélectionner. Hop. Pardon. Hop, donc là, on va sélectionner donc la boucle complète ici, Hop, tout autour, hein. voilà, comme ceci, on va appuyer donc une fois sur CTRL+, pour sélectionner donc la face qu'on ne voit pas, d'accord, c'est la jonction de notre anneau, et on va lui assigner le métal anneau. On va faire CTRL-I pour inverser la sélection, voilà, et là on assigne le bois, ok comme ça c'est parfait on a les deux textures donc maintenant on va commencer par le métal anneau donc ce métal anneau donc du coup on va le faire donc ici avec une couleur très blanche voilà on va créer donc un 100% métallique avec une spéculaire donc à 0.8 et une rugosité à 0.15 d'accord donc là je veux du pur métal donc du coup inutile de passer du temps sur le texturing d'accord parce que c'est vraiment du, du métal à 100% donc la rugosité par contre on va la réduire parce que c'est vraiment trop on va mettre à 0.3 excusez-moi ok voilà je sélectionne mon anneau donc ici on va le texturer également avec le métal anneau, d'accord Voilà, comme ça, c'est parfait. On va faire Alt-C pour le convertir en mèche. J'avais oublié de faire ça, hein, excusez-moi. Voilà, comme ça, c'est parfait. Ok Ensuite, donc là, on va sélectionner donc ces anneaux qui sont ici. Hein, Rappelez-vous, donc les anneaux qui habillent le manche. Et on va sélectionner également métal anneau. Ok voilà, et maintenant, on va créer, donc, ma texture de bois. Donc, alors pour la texture de bois, donc, on va créer un convertisseur dégradé de couleurs. On va le raccorder, donc, à la couleur ici. Là, on va créer, donc, mes trois teintes de bois que je souhaite. Donc, ça va être un marron, hop, quasiment, donc, à 75%, donc, à 25%, comme ceci. Ensuite, on aura, donc, un marron à 50% qui sera, donc, par ici, voilà. Et après, donc, un beige euh, vraiment très, euh, très prononcé, voilà, comme ceci. Okay. Hop, comme ceci, d'accord. Donc là pour l'instant on la voit pas parce qu'on n'a pas créé de texture encore, c'est normal. Donc du coup on va créer donc une texture de euh, bruit, texture de bruit qui va être influencée par une texture de Musgrave, d'accord. Donc les deux ensemble, ce qui donne normalement un motif de bois assez sympa en fait. Hein, vous allez voir, voilà, ok. Ça me permet de créer tout de suite un, une texture de bois en quelques secondes, hein, d'accord Donc là, on va lui donner quand même un relief un peu plus important, d'accord, à ce bois parce que c'est quand même un manche. Euh, du coup, donc, ce qu'on peut faire, c'est donc ici transformer donc cette texture-là en facteur donc de noir et blanc. Donc, on va créer un, un convertisseur dégradé de couleur ok Ce dégradé de couleur du coup, si je regarde à quoi il ressemble, donc on a ici donc mes zones sombres sont en noir et les zones blanches sont en blanc. Chose que je ne veux pas. Moi, je veux l'inverse, d'accord Donc, du coup, je retourne ma couleur, d'accord Donc je flippe ma couleur rampe, d'accord Donc je l'inverse. Et là je peux la raccorder à la rugosité, d'accord Ce qui me permet d'avoir donc les zones blanches brillantes et les zones noires pas brillantes, d'accord Parce que c'est mes creux, donc c'est normal. Ensuite on fait la même chose, donc on va recréer une nouvelle rampe de couleur, d'accord Donc un nouveau dégradé de couleur qu'on relie ici. On va raccorder donc ce dégradé de couleur à un bump pour donner donc du relief. Et là rappelez-vous, donc les zones noires seront à l'intérieur et les zones blanches seront à l'extérieur, d'accord Donc en relief. Donc là j'applique, hop, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc là ça donne tout de suite un autre relief à mon poids. Donc là par contre les reliefs sont vraiment trop prononcés, donc du coup on va les, euh, les ternir un petit peu. On va mettre à 0.35, je pense que c'est pas mal en termes de relief, même un peu plus, on va mettre à 0.65. Voilà, ok Ce qui me permet de les prononcer euh, beaucoup plus et du coup ça donne un autre relief à mon poids. Donc là c'est parfait ok, voilà, donc c'est nickel, donc maintenant ce qu'on peut faire, c'est donc mixer les deux instances, en fait, donc là c'est assez, assez particulier, parce qu'en fait, regardez, on va, on va en fait donc, créer une autre rampe de couleurs, d'accord, qu'on va raccorder donc, exactement la même, et du coup je vais multiplier les valeurs par les, euh, par les mêmes valeurs en fait, donc c'est un peu bizarre, mais vous allez voir, donc là on rajoute donc une couleur mélangée RGB, et du coup, donc là j'ai ma texture en couleur, si je la mélange avec celle-ci, D'accord Donc mes tons de noir et blanc, ça me permettra donc de rajouter du détail sur ma texture de, de noir et blanc. D'accord Mais du coup, moi je vais les réduire, parce que si je rajoute par-dessus, euh, ça va juste me les... Comment, me les, euh, les prononcer, d'accord Donc me, me, me donner des couleurs moins, moins vives. Moi, ce n'est pas ce que je veux. Donc du coup, je vais réduire ici donc, les valeurs de noir. D'accord Donc je vais, enfin je vais les réduire, je vais les augmenter. voilà. Et je vais réduire les valeurs de blanc. D'accord Pour les prononcer comme ceci. Hop. Voilà, donc là la limite, hein, vraiment c'est vraiment la limite. On va mettre en constant, ce sera beaucoup plus simple comme ça. Voilà, et là c'est parfait. Ok, du coup on va adoucir un petit peu donc les noirs pour les, leur donner un peu moins de relief quand même. Voilà comme ceci, et les blancs c'est parfait. Hop, on va juste les réduire un peu plus. Voilà, comme ceci. Ok, donc le but c'est vraiment de, de rajouter du détail sur ma, ma couleur de base. Hein. Et là regardez, donc si je recorde les deux. Sur un mélange ça va effectivement me rajouter de la couleur et du coup ternir mes couleurs, chose que je ne veux pas. Moi je veux une multiplication, d'accord, donc on va multiplier les deux, hop, et voilà. Vous voyez ça donne tout de suite un autre relief à ma texture, d'accord Donc là les noirs sont beaucoup trop prononcés, donc je vais les ternir encore un peu. Hop, voilà. Donc là ça peut être pas mal. Et les blancs on va les réduire aussi un petit peu, parce qu'ils sont vraiment trop blancs. On va les ternir, voilà, comme ceci. Voilà, donc là c'est parfait. Okay. ça rajoute un peu plus de détails avec la même texture vous voyez au final mais du coup ça me permet de créer donc une autre euh, une autre variante okay. ensuite on va créer donc de l'occlusion ambiante pour mon bois puisque j'ai envie de donner comme un, un, un peu plus de relief à cette texture donc pour ce faire on va ici donc rajouter un, une occlusion ambiante d'accord cette occlusion ambiante sera influencée par ma normale Hop. on va créer également donc un nœud de Fresnel. Pour donner donc la spéculaire qu'il faut à mon bois, donc là ma Fresnel sera ici. Donc la spéculaire, la spéculaire du bois, on va la mettre à 1.63 donc pour ce bois là, d'accord. Donc c'est pas forcément la, la spéculaire du bois, mais bon, voilà. On, on raccorde la normale pour qu'il la prenne en compte, comme ceci. Et là, du coup, donc on va mélanger ma mon occlusion ambiante avec ma couleur de base, d'accord. Donc on rajoute encore une fois un couleur mélanger RGB, hop, je raccorde mon ambiance occlusion à la, au mélangeur et je la multiplie à 100% d'accord donc multiplié. donc là ça commence à laguer un petit peu hein, c'est normal c'est une texture procédurale voilà et du coup je vais accentuer donc les valeurs de, de occlusion ambiante, d'accord ce qui permet de donner un côté un peu plus réaliste à mon bois parce que là on a du relief avec l'ombrage d'accord et du coup donc les crues sont pris en compte Ok, voilà, donc là c'est parfait. Donc en termes de texturing, je pense que c'est pas mal pour le manche. Hein. Après, vous pouvez l'éclaircir le, le, ou la, voilà, le rendre plus terne, comme vous voulez. C'est vraiment à vous de, de choisir, hein. d'accord Il n'y a pas d'imposition par rapport à ça. Ok, donc là c'est nickel. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est limite. Euh... Non, bah c'est bon, hop. Voilà comme ça se... Ok. Maintenant on va donc texturer donc, la partie du haut, d'accord. Donc ici on va sélectionner donc, mon... ma petite cime hein, donc, de... de fer. Et là on va créer donc exactement le même métal qu'on a en bas d'accord pour le marteau, pour rappeler un petit peu les tons et du coup jouer sur le même ton. Donc on va sélectionner le métal marteau. Voilà, donc là c'est parfait, d'accord, donc ça permet de rappeler un petit peu les textures qu'on a sur notre marteau, hein, d'accord Parce que là on a un anneau complètement lisse avec donc euh, bah, quasiment pas de relief. Et là du coup ça nous rappelle un petit peu la texture qu'on a au début. Okay les symboles, on va leur appliquer donc une rune d'émission encore une fois pour pouvoir les animer, hein, d'accord, donc des deux côtés, n'oubliez hein, pas. Hop, voilà. Et là, ma lanière en cuir, du coup, j'ai ici donc, une texture procédurale. Donc si vous ne l'avez pas, vous pouvez la télécharger sur, sous la vidéo de la texture procédurale de cuir. Ou sinon, directement, euh, bah, vous la créez vous-même en fait. Hein, donc la texture procédurale de cuir ressemble à ça. D'accord Donc là, elle est beaucoup trop grosse. Par rapport à mon objet. Donc à moins de la réduire en termes de paramètres. Donc ici d'accord. Donc je vais augmenter la valeur. Euh, là on va la passer donc à. Euh, on peut la multiplier par 5. Hein, je pense que c'est pas mal. Alors, ça limite un peu trop. On va mettre même par 8. D'accord. Hop. Voilà par 8. Voilà. Et du coup ce qui me permet d'avoir une donc, jolie texture pour la lanière. D'accord. Et du coup j'ai du cuir sur ma lanière. Donc c'est parfait. Okay. On va juste l'éclaircir un tout petit peu plus ce cuir parce que là ça me plaît pas du tout comme ça le cuir rouge. J'ai envie de quelque chose de plus marron, d'accord Donc là cette couleur là on va partir sur des teints un peu plus marron. Voilà. Euh, cette couleur là, donc le centre, on va partir pareil sur des, des tons un peu plus marron, hein, comme ceci. Et là le ton de fin, pareil sur des tons un peu plus marron. Voilà. Ok Voilà, ça me plaît plus, d'accord Un cuir marron vraiment beau, plutôt qu'un cuir rouge. Ok voilà, donc là c'est parfait. Okay donc là on a texturé donc, notre objet. Après, donc, la quatrième partie, du coup, donc, la, la dernière hein, qu'on va faire, donc, pour ce tutoriel, ça sera, du coup, la composition de scène, d'accord Donc, on va créer un terrain pour, donc, euh, bah, justement, simuler, en fait, donc, la Terre, d'accord J'ai pour idée, en fait, de faire vraiment une animation où le, le marteau tombe du ciel, d'accord Donc, en, en virevoltant, en fait, hein, donc, il va, il va tomber en spirale. Et une fois qu'il s'écrase, ça va créer un impact de particules, d'accord Donc, de Terre qui vont se détacher un petit peu pour révéler, donc, un cratère avec le marteau au centre, d'accord un léger mouvement de caméra qui va zoomer sur le marteau, voilà, qui est éteint complètement, d'accord Donc on ne voit pas les reliefs. Et après l'éclair qui tombe sur le marteau, tac, et là, le marteau s'allume, d'accord Donc on, je, voilà, c'est le projet, donc je vais voir si c'est réalisable et si je peux le faire en pas trop de temps, d'accord Parce que voilà, le but, c'est pas non plus de diviser la, la vidéo en 15, 15 000 parties. Mais euh, voilà, en tout cas, là, on a déjà bien avancé. Oui, en trois parties, on a déjà donc, modélisé entièrement le marteau, on l'a texturé. Maintenant, on va passer donc à la composition de scène. Donc, comment composer la scène, etc. Comment la préparer pour réaliser cette animation. Et après, je pense à la dernière partie, la réalisation d'animation, d'accord, et du rendu final. Ok. Voilà. Donc, j'espère que cette série vous plaît. N'hésitez pas donc à me laisser un petit pouce bleu à me laisser un commentaire, voilà, si ça vous plaît, si vous me dites, voilà, je veux plus de séries comme ça, voilà, j'aime bien les séries comme ça découpées, ou non, je préfère une vidéo entière qui fait 5 heures et du coup on fait tout le contenu de A à Z, pourquoi pas. Mais voilà, en tout cas moi c'est plus simple pour moi de diviser comme ça en épisodes plutôt que vous sortir un bloc de contenu pendant 5 heures et que bah, je sais que la plupart en fait vont lasser parce que du coup c'est voilà, tellement peu concentré sur les, euh, comment, les, les étapes que du coup bah on en perd le fil un petit peu. D'accord? Donc je pense que ce format épisodique en fait il est pas mal et du coup voilà. Après on fera d'autres objets, hein, vous inquiétez pas, d'autres animations, mais en fait ça nous permet donc de voir des, des mises en situation réelles et voir le processus de A à Z, d'accord Donc le processus de la modélisation, de texturing, ensuite de l'amélioration de la scène et du coup de la création de la scène pour voir le rendu qu'on peut faire et après le rendu final. D'accord Voilà, ça, ça le but en fait c'est de voir les étapes et de faire des jolies choses ensemble. Ok Donc merci à vous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao